Bonjour. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve sur le jeu Get Off My Lawn, qui est, d'après ce que j'ai compris, un jeu de défense où en fait on incarne un grand-père qui décide de défendre son champ contre l'invasion des extraterrestres. Niveau scénario, on n'est pas bien loin de Plants vs Zombies. Oui, écoutez, Hollywood n'en a pas voulu. Oui, ils ont décidé de faire un jeu vidéo à la place d'un film. Et je peux tout à fait comprendre ce choix. Et aujourd'hui, dans cette petite banlieue de Off My Lawn, nous allons regarder l'interview de Gérard, 78 ans, grand-père à la retraite, qui dit avoir été attaqué par les martiens. Tout de suite, sa vidéo. What's going on? I don't know. What the hell? Get off my lawn. Rectification, nous allons jouer finalement un gros sadique qui a décidé d'exterminer les aliens qui venaient frapper à sa porte gentiment avec des cadeaux. Je sais pas vous, mais moi il me fait penser à Raymond dans Scène de Ménage, hein. Voilà, après, voilà. Alors pour jouer, je suppose qu'il faut cliquer sur le bouton jouer. Appuyez sur A et D pour déplacer Murray. Il a dit Gérard. C'est Gérard. A et D. Ah ok. Appuyez sur espace pour tirer. Dégagez de ma pelouse. Ah. Pardon. 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 On n'a pas tué. Ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. On est à la vague 3 et rien de bien compliqué pour l'instant. Alors ce qui est marrant, c'est les voitures qui passent en arrière-plan. Elles en ont vraiment rien à faire, hein. C'est limite si les voitures ralentiraient pas au moment de passer devant chez moi pour regarder la scène. Oh, des aliens, comme ils sont mignons. Bon, allez, je vous laisse, je suis en retard. Coucou, moi, ça, vous avez vu ma nouvelle voiture? Oh, des aliens, allez, au revoir. Oula, oula, oula. Il commence à y avoir du monde, là. Oula. Ils ont ramené le papa. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Mais attendez, ils ont toutes les armures. Mais y a pas des super pouvoirs. Votre Porsche sera atteint de magie si les extraterrestres foncent dedans. Quand les compteurs atteignent zéro, ils enlèveront Murray. Pas si amical que ça. Ah. Et collecter 507 orbes. Ok, 2211, c'est le record à battre. Avec Gérard, toutes les tâches disparaissent. Gérard, c'est la qualité avant tout. Nouveau meilleur score. Ah bah ça m'étonne même pas, tiens. Ok. Alors eux, ils esquivent trop de fois. Attends, mais... En un coup ? Et ils applaudissent en plus ! Je ne me laisserai pas faire ! La musique hein, qui vraiment met dans une ambiance sympa, alors qu'en fait tu es en train de faire un carnage, hein. Tu viens de dépeupler la moitié d'un pays, tu es en train de détruire tous les arrivants qui sont en train de faire le lien entre planète et extraterrestre, et voilà, et toi t'es en train de jouer un monstre, mais t'as une petite musique sympa qui... C'est bien! C'est bien! C'est bien! Ok, ok, j'ai compris. J'ai ralenti le temps. Ah! Non, 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 pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi! Livrer une dernière bataille. Oui? Bien sûr! Vite, un bonus temps. Keep them coming. Wouh. 5043. Visitez le cabanon. On peut visiter le...
c'était une blague. Donc on peut acheter d'autres armes. Ah oui, mais moi aussi, si on prévient pas. Donc je recommence pour avoir le fusil à pompe, et puis après on verra bien. Ok, donc là j'ai assez. Donc là je vais me laisser envahir, et après on va acheter le fusil à pompe. Voilà. Au revoir, papy. Donc là, on va visiter le cabanon, on achète le fusil à pompe. Oui. Voilà. Appuyez sur 2 pour choisir le fusil à pompe. Ma touche 2 ne marche pas. Non. J'ai galéré à m'acheter ce truc. Non. Je me prends très mal. Bon. De toute façon, je peux plus jouer là, si je peux. Je peux plus rien lancer là. Je peux rien faire. Le seul moyen, c'est d'appuyer sur la touche 2 qui ne marche pas. Ok. Bon, bah... Bye bye Gérard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à faire connaître la chaîne à vos amis si vous aimez bien. Si vous n'aimez pas, faites connaître à vos amis que vous n'aimez pas. Et comme ça, et ben, tout le monde est gagnant. Et oui.